Bonjour, je me présente, professeur Mehdi, chef du service du laboratoire central de l'HMRU. Donc, toujours dans l'enchaînement du programme de la microbiologie, on va voir aujourd'hui ensemble le troisième cours, c'est la génétique bactérienne. Et comme plan de ce cours, donc on va voir ensemble le génome bactérien, comme un petit rappel, les éléments constitutifs du génome, l'ADN chromosomique et l'ADN extrachromosomique qui fait la différence aussi les eucaryotes, c'est les plasmides, les transposons, les cassettes et les intégrants. Et comme deuxième partie, c'est les variations génétiques, tout ce qui est modification, mutation, remaniement intragénomique et bien sûr l'acquisition d'ADN exogène par les trois phénomènes connus chez les bactéries, la transformation, la conjugaison et la transduction. Revenons à la structure bactérienne. Donc, une bactérie est composée comme suit. Il y a plusieurs éléments facultatifs et éléments obligatoires. Parmi les éléments obligatoires, ce qui nous intéresse aujourd'hui, beaucoup plus, c'est le chromosome, c'est l'information génétique, donc c'est le génome. Et les éléments facultatifs, c'est les piliers et les plasmides. Un petit rappel, donc, grâce à ces deux messieurs-là, Crick et Watson, on connaît, on parle aujourd'hui de l'ADN, donc c'est l'acide désoxyribonucléique. L'ADN, c'est un polymère de nucléotides, comme les cellules eucaryotes, c'est pareil, donc c'est identique. Donc il y a structure linéaire, secondaire et tertiaire, avec bien sûr des liaisons d'hydrogène, double liaison pour, entre les bases A et T, et trois liaisons hydrogène entre le C et le G, c'est des liaisons faibles qui aident séparément des deux brins d'ADN et aident pour la réplication de. La particularité des bactéries, c'est qu'il y a une seule molécule d'ADN, à la différence des cellules eucaryotes, cellules humaines, donc c'est 46. Donc là, la taille. Elle est à 5 mm. Ce qui est remarquable, c'est ça dépasse la taille d'une bactérie. Et ça aussi, ça explique que l'ADN est à la différence des cellules eucaryotes, l'ADN est serré sur lui-même. Donc le chromosome bactérien, par définition, ça c'est à retenir, c'est un filament d'ADN bicatinaire, circulaire, unique, serré. Donc, avec boucle d'ADN chromosomique, et vu qu'il y a à peu près 5 millions de paires de bases, il y a plein d'informations à l'intérieur qui aident la bactérie par la suite dans le métabolisme bactérien. Par définition, un gène, c'est un segment d'ADN portant toute l'information nécessaire pour la synthèse d'une protéine. Donc, c'est un gène. Prenons l'exemple, c'est des gènes généralement qui porte l'information pour la résistance aux antibiotiques. Exemple comme enzyme bêta-lactamase. C'est une enzyme qui dégrade les bêta-lactamines, donc c'est la plus grande famille des antibiotiques. Là aussi, la synthèse, l'enchaînement des étapes de synthèse, c'est identique aux cellules eucaryotes. Là aussi, vous voyez dans cette diapo le gène bactérien, l'ultrastructure du gène bactérien. C'est identique comme les gènes des cellules eucaryotes. Il y a un promoteur de transcription, il y a les codons ou bien la région codante, là, les codons stop, tout ce qu'il faut pour la synthèse d'une enzyme ou d'une protéine. Et là, j'ai essayé de vous schématiser le fruit de tout cela après la transcription, la traduction, la matérialisation. À l'intérieur, le fruit, c'est. Enfin, le produit final, c'est une enzyme, c'est une bactérie nécessaire pour, ou indispensable pour cette bactérie. La régulation du fonctionnement des gènes bactériens, là aussi, c'est un milieu de croissance bactérienne qui comprend et le glucose et le lactose. Donc la bactérie, elle préfère d'utiliser d'abord le glucose et de cela, elle sera obligée de stopper l'action de l'enzyme qui dégrade le lactose, c'est le bêta-galactosidase, et là, après l'épuisement du glucose, elle sera à nouveau réactivée, l'enzyme bêta-galactosidase qui dégrade le lactose
à nouveau et ça donne la courbe spécifique, la dioxy biphasique. On va voir ça par la suite. Pardon. Les éléments génétiques extrachromosomiques, donc là, c'est propre aux bactéries. Donc, premièrement, c'est les plasmides, transposons, cassettes et les. Commençons par les plasmides. C'est un élément facultatif de la bactérie, c'est-à-dire c'est pas indispensable au métabolisme bactérien, mais porte l'information de virulence. C'est de l'ADN bicaténaire circulaire, représente 1% de la taille du chromosome. Il est autoréplicatif, c'est répliquant, vous trouverez ça dans la littérature, répliquant. Autotransférable, donc c'est transfert, jeu le jeu dans le transfert d'une bactérie à une autre bactérie de l'information génétique. Prenons l'exemple type de notre cours aujourd'hui, c'est la résistance aux antibiotiques, par exemple. On a dit que c'est facultatif, non indispensable au métabolisme normal de la cellule bactérienne. Leur transmission d'une bactérie à une autre bactérie peut s'effectuer par soit conjugaison, soit transduction. Quelles sont les propriétés biologiques portées par les plasmides? Ça, c'est très, très important. C'est la résistance. Donc, le plasmide porte des gènes de résistance aux antibiotiques, la résistance aux antiseptiques et autres. Donc, c'est un caractère, on peut dire, de virulence de la bactérie. La virulence des bactéries peut aussi être à médiation plasmique, pouvoir pathogène des colibacilles, entéropathogène, diarrhée du voyageur par exemple, pouvoir pathogène du staphylocoque, tout ce qui est virulence portée par les plasmides. Les plasmides peuvent également coder par la synthèse de bactériocines, certains antibiotiques. Le quatrième point, c'est que les plasmides confèrent aux bactéries qui les hébergent de nombreux caractères génétiques par un mécanisme d'addition. Donc la bactérie qui ne contient pas les plasmides, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas virulente, mais la bactérie qui contient du plasmide, c'est un caractère ou c'est un mécanisme d'addition, c'est un plus pour cette bactérie pour survivre dans des conditions défavorables à côté des antibiotiques ou autres. Elle représente un élément essentiel d'adaptation. Ils sont responsables d'épidémies de gènes, notamment de résistance aux antibiotiques. Ce qu'on voit actuellement dans nos structures de soins, la propagation de la résistance ou bien des bactéries multirésistantes dans nos structures. Et de connaître les plasmides, ça sort aussi la définition de transposons ou bien les gènes sorteurs ou mobiles. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui d'éléments génétiques mobiles extrachromosomiques. Un plasmide de polyrésistance aux antibiotiques donc, porte plusieurs sites. Premièrement, site de réplication, fonctionnement, site de fonctionnement transfert et bien sûr les gènes de résistance. Les transposons, on a dit que le deuxième élément mobile du génétique, là, la spécificité, c'est que c'est une séquence de 50 à 10 000 paires de bases. L'insertion, elle est sans homologie. Donc, l'insertion sans homologie. Donc, c'est un plus aussi pour la bactérie d'apporter des caractères, des nouveaux caractères génétiques. Mouvement de transposons, donc, il peut porter l'information du plasmide ou bien du gène du plasmide vers le chromosome ou bien du chromosome vers le plasmide. Donc, reste ce qu'on appelle gène sorteur ou mobile. Pardon. Troisième élément aussi qui est important, c'est les cassettes. C'est des éléments génétiques mobiles. Pardon. L'intégration, excision médiée par une intégrase externe. La constitution, c'est un ensemble de gènes qu'on transcrit souvent résistance à un antibiotique ou plusieurs antibiotiques. Comprend site de reconnaissance d'une intégrase non autoréplicatif et non autotransférable à la différence des plasmides. La particularité des cassettes, c'est qu'il n'y a pas de promoteur sans promoteur, donc non transcrit isolement. Ça demande une intégrale. Juste pour vous montrer que le rôle du promoteur, c'est d'initier la transcription. Et de là, s'il n'y a pas de promoteur, on ne parle plus de transcription, on ne parle plus de synthèse, soit enzymatique, soit. La structure des cassettes, on a dit que
elle porte un site d'attachement aux intégrants. Donc l'intégrant, c'est le quatrième élément génétique mobile. L'intégrant porte les promoteurs. Et de là, ce qui manque aux cassettes, c'est les promoteurs. Les cassettes peuvent s'exprimer sans génome et par la suite, il y aura synthèse d'une enzyme de résistance ou autre. Donc là, à côté de l'intégrase, les cassettes peuvent donner naissance à des enzymes de résistance aux antibiotiques. Ça reste aussi l'intégrant non autoréplicatif et non autotransférable. Donc, mobile aussi. Donc, si on résume, donc, il n'y a que le plasmide qui est autoréplicatif et autotransférable. Donc, le reste des éléments, ça demande de l'aide d'un autre élément mobile. Voilà pour mieux comprendre, c'est que l'intégrant capte les cassettes et porte avec lui des promoteurs. Et de là, les choses sont complètes. Donc, le gène est complet. La cassette, elle peut donner la transcription, la traduction et la maturation. Et la synthèse, bien sûr, du gène, la synthèse d'une enzyme de résistance aux antibiotiques. Deuxième partie, c'est les variations génétiques. Et là, il y a deux types de variations. Il y a les variations phénotypiques et les variations génomiques. Les variations génomiques chez les bactéries, comme variations phénotypiques, par définition, c'est une modification de l'expression du génome, à la différence des variations génotypiques qui sont une modification de la structure du génome. Modification de l'expression et modification de la structure. Donc la première variation phénotypique, c'est que modification de l'expression du génome, là, c'est pour l'adaptation, prenons l'exemple de glucose-lactose, réversible si l'environnement change et non transmissible. Deuxième type de variation, les variations génotypiques, et là, c'est non réversible et transmissible à la descendance. L'exemple, c'est les mutations, remaniements, acquisition d'ADN exogène. Prenons quelques exemples. L'adaptation phénotypique. Revenons, l'exemple type, c'est la déoxy ou bien la courbe de croissance biphasique. Vous avez déjà fait la croissance bactérienne. Il y a les 5-6 étapes de multiplication. Là, la courbe de croissance biphasique, c'est la dioxy. Donc, si le milieu de culture de la bactérie contient du sucre, lactose et glucose, la bactérie préfère de commencer la consommation du sucre le plus simple, c'est le glucose, et par la suite passe à consommer le lactose. Et de là, par un système purement génétique, elle stoppe l'action de l'enzyme bêta-galactosidase qui dégrade le lactose. Mais après l'épuisement de glucose, elle sera obligée d'utiliser le lactose et là, il y aura réactivation de l'enzyme qui dégrade le lactose. Et de là, on peut voir la courbe biphasique. Il y a la phase exponentielle, stop, et après la phase exponentielle, c'est pour cela qu'on dit courbe biphasique, c'est la dioxy. Deuxième exemple, c'est l'aspidie colonique, comme vous voyez, donc SR. Maintenant, ce qui est important, c'est les variations génotypiques. C'est l'acquisition d'une multirésistance aux antibiotiques ou bien aux antiseptiques. Vous voyez, avant, en rouge, c'est la bactérie dans un milieu de culture. Vous voyez des diamètres d'inhibition. Là, ça veut dire que la bactérie, elle est sensible à ces antibiotiques, ces antiseptiques. Mais par la suite, après l'acquisition ou bien modification et variation génotypique, quelle que soit par mutation ou bien par l'acquisition d'ADN exogénote qui porte l'information pour résister à tel ou tel produit, vous voyez donc la bactérie, après elle devient résistante. Et cette résistance est due à l'acquisition d'une information d'une autre bactérie, et ça c'est la variation génotypique. Les mutations, nature et définition, donc c'est une modification au hasard, accidentelle dans la séquence de l'ADN, survenant lors de la réplication,
Il y a plusieurs types de méditation. Il y a des méditations silencieuses, acides aminés identiques ou équivalents, donc ça ne change pas le produit final. Méditation létale, là par exemple, ça touche un gène essentiel. Et méditation non sens, le produit final reste le même. Et ça touche les codons stop. Et limitation faux sens, substitution d'un ADN, d'un acide aminé. Donc, le tout cela, donc ça donne protéines plus ou moins fonctionnelles. Quelles sont les caractéristiques d'une mutation? Heureusement que c'est rare, donc à l'ordre de 10-5, 10-9. Augmente bien sûr avec les agents mutagènes, spontané, donc les antibiotiques n'induisent jamais les mutations, mais sélectionnent les mutants les mieux adaptés. Stable, transmise à la descendance. Et le cinquième caractère qui est important, c'est l'indépendante et spécifique. Donc, le taux de mutation de deux caractères, c'est la somme des taux de mutation. Donc, ça est utilisé beaucoup plus dans le traitement de la tuberculose. On va voir par exemple l'exemple par la suite. La spontanéité des mutations, l'expérience de Lederberg. Donc, les variations génétiques ont lieu au hasard en l'absence de l'agent sélecteur. Si vous voyez, oh, donc SM, c'est streptomycine, c'est l'antibiotique. Pas d'antibiotique avec l'antibiotique. Les deux cas, il y a des résistances. C'est-à-dire l'antibiotique sélectionne les variants les mieux adaptés. Revenons au cinquième caractère des mutations, l'indépendance des mutations. Donc là, le traitement de la tuberculose, les deux antituberculos majeurs, c'est l'isoniazide et rifampicine. Donc, si le taux de mutation pour l'isoniazide 10-6, c'est-à-dire une bactérie, une mycobactérie tuberculosis pour 1 million, et la rifampicine 1 pour 10 millions. Donc, si on fait l'addition, on a dit que la somme des deux, ça devient 10 puissance 13, moins 13. Donc, pour avoir une mutation, 10 puissance 13 mycobactéries tuberculosis, c'est presque quasiment impossible de voir une culture positive dans ce cas-là. Et on peut dire que, on peut déclarer que le malade est guéri après la dérive de traitement. Remaniement intragénomique, c'est le déplacement de transposons de séquences d'insertion, insertion de phages ou autres. Donc là, c'est les gènes sauveteurs, toujours la transposition.